Les graisses sont en qualité de lait dans notre tube digestif. Ils ressortent par la bouche grâce aux rotes et par l'anus à travers les flatulences. Nous avalons tous une petite quantité d'air en mangeant ou en buvant, mais celle-ci augmente dans notre organisme, notamment lorsque nous fumons, mâchons des chewing-gums ou buvons des boissons pétillantes. Ainsi, l'air avalé se déplace vers les intestins et passe par l'anus. Socialement gênant, les pets sont pourtant une réaction tout à fait naturelle que vous ne devriez pas retenir. Saviez-vous qu'en moyenne, un être humain pétait 14 fois par jour? Pourtant, malgré leur importance biologique et leurs bienfaits pour la santé, les pets ne sont pas populaires et sont souvent synonymes de honte, d'embarras ou de gêne. Alors, la prochaine fois que vous évacuez vos gaz, ne vous culpabilisez pas surtout, car juste dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 raisons pour lesquelles les médecins recommandent de ne pas les retenir. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Les pets réduisent les ballonnements. La raison pour laquelle vous vous sentez ballonné est l'accumulation de gaz dans votre tube digestif. Cela se produit généralement après avoir mangé un repas copieux et signifie en fait que votre corps stocke un excès d'eau et que vos intestins produisent de fartaux un excès de gaz. Lâchez prise, votre ventre vous en remerciera et vous pourrez en suboutonner votre champ plus facilement. Les pets vous permettent de réévaluer votre alimentation. L'alimentation est la clé d'une bonne santé. Cela n'est plus un secret. Ainsi, les pets peuvent vous permettre de réévaluer votre régime nutritionnel en vous indiquant ce qui manque à votre alimentation. En fait, différents aliments produisent différentes odeurs des gaz, ce qui peut vous donner un indice sur si vous mangez trop ou pas assez de quelque chose. Par exemple, si vous n'évacuez pas assez de gaz, cela signifie que vous ne mangez pas assez de fibres. Ainsi, si ces derniers sont malodorants, c'est que vous consommez probablement beaucoup trop de viande rouge. Les pets permettent de soulager vos odeurs abdominales. Le fait de retenir les gaz peut provoquer des douleurs abdominales et des crampes. Ainsi, les évacuer vous permet de soulager votre odeur et de maintenir votre intestin dans un état de santé optimal. L'odeur des pets est en réalité très bonne pour votre santé. L'odeur est certes désagréable, mais sachez qu'elles peuvent avoir des avantages pour votre santé. En effet, des recherches ont affirmé que les gaz que nous évacuons contiennent du sulfure d'hydrogène qui aide à prévenir les dommages causés par la mitochondrie. Cela peut même vous protéger contre les accidents vasculaires cérébraux et l'arthrite. Et enfin, les pets vous permettent de détecter si c'est un problème de santé. Les pets jouent un rôle extrêmement important car ils permettent d'agir comme un signal d'alarme quant à votre état de santé. Surveillez donc leur odeur et leur fréquence et discutez-en avec votre médecin. Ainsi, vous pourrez faire un diagnostic et détecter toutes sortes de troubles allant du cancer du côlon aux allergies alimentaires.